Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bonjour les Congolais. Mbote nabino, c'est encore maman Olga. Oyaya ko dénoncer que Makambo. Oyaya ko solola peuple congolais, celle qui vient partager les nouvelles avec le peuple congolais, celle qui vient motiver le peuple africain, le peuple congolais. Bonsoir à tous. Ça dépend l'heure à laquelle ce message va vous atteindre. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga est en colère. Maman Olga est remontée, mais je veux me maîtriser pour ne pas dépasser les bornes. Je veux me calmer pour ne pas dire les choses choquantes. Mais je vous dis que Maman Olga est en colère. C'est inacceptable que aujourd'hui, nous, les Congolais, nous sommes en train de, nous avons soif de connaître la vérité, de connaître la situation de notre président élu, Jean-Marie Michel Moukoko, et qu'il y en a qui sont en train de, le Congolais se mobilise pour aller manifester devant l'ambassade de Turquie. Ceux qui sont soi-disant les représentants de Jean-Marie Michel Moukoko, les défenseurs de Jean-Marie Michel Moukoko, refusent de participer à cette manifestation. Vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous refusez de participer à cette manifestation? Parce que quand vous êtes avec une personne, quand vous défendez une personne, toutes les occasions, vous sautez sur toutes les occasions, vous saisissez toutes les occasions pour faire le boom. Vous avez vu comment ça s'est passé avec aux États-Unis avec la mort de George Floyd. Et vous, aujourd'hui, nous ne savons même pas comment ce que où est et Jean-Marie Michel Moukoko, l'élu du peuple, le président congolais qu'on a enfermé, qu'on a emprisonné à tort. Et vous, cette association ACB, Jean-Marie Michel Moukoko, vous refusez de participer à la manifestation. Congolais, ouvrez les yeux. Congolais, réfléchissez. Congolais, faites tourner vos cerveaux. Ça nous dit, ça dit quelque chose. Comme nous savons déjà que Denis Sassou Nguesso corrompt tout le monde. Denis Sassou Nguesso travaille l'argent du Congolais pour satisfaire ses propres besoins, pour acheter les consciences des gens, pour acheter les consciences des personnes faibles. Et comme la lutte, elle est longue, nous découvrons les gens qui sont venus na lo yenge. Tozo bimisa bino mo totala. Le kola komba eza moulaye. Tozo ko mona, tozo ko tala, tozo ko yeba boba ye. Suka na komba, na boba zoya ko kosa batu. Les gens sont mobilisés. C'était à vous, cette association ACB, Jean-Marie Michel Moukoko. C'était à vous-même, vous deviez, c'était même vous qui deviez inciter cette population congolaise de se lever et vous allez être derrière pendant que le peuple congolais veut savoir, le peuple congolais a soif de connaître où notre président se trouve, où notre général Moukoko, notre Nelson Mandela, élu du peuple de 92%. Et vous êtes là en train de vouloir nous dire que vous n'allez pas manifester. Vous allez nous dire la raison. Sinon, vous dégagez, vous n'êtes plus cette association, les associations des menteurs, des malfaiteurs. Les associations des menteurs, des malfaiteurs, des manipulateurs. Les associations qui travaillent derrière les besoins de Denis Sassou Nguesso.
On en a marre. Bozo biso ba zoba na binoté. Bozo biso ba papier toilette na binoté. Nous sommes en train de chercher la vérité. Monsieur, notre général Mokoko, on l'a évacué. On ne sait même pas si c'est le général Mokoko a été évacué ou si le général Mokoko a été déjà assassiné depuis le Congo et qu'on on est en train de nous monter une histoire de toutes pièces à leur manière. Et vous êtes là, vous voulez pas, vous allez pas participer. Ma boma ezana mituna bino, bolingi bon matisanga tension ou quoi? Mais vous, vous êtes, mais ça va pas dans vos têtes. Mais vous êtes malade. C'est vous qui avez même tué Mokoko. Parce que si vous étiez des associations avec force, si vous étiez une association vaillante, cette histoire de on serait pas dans cette situation où aujourd'hui on a été empoisonné Mokoko dans sa prison, dans sa cellule. Bino nyoso bozo ya kamona pona bo se servir. On fait une manifestation, on demande une manifestation, on incite la population de se lever pour que la pression, vous avez vu la pression de la mort de George Floyd ici aux États-Unis. Qu'est-ce que les médias ils ont fait? Comment est-ce que les médias ont fait monter la situation? Comment est-ce que les médias ont fait chauffer les réseaux sociaux, ont fait chauffer, bouger les États-Unis? Pas une ville, pas un État, ils ont fait bouger les États-Unis et même le monde entier. Et vous, pour le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, élu du peuple, vous refusez, dites-nous quelle raison, pour quelle raison vous refusez de participer à cette manifestation. Quelles sont vos raisons? C'est une marche pacifique. En quoi vous ne voulez pas participer? Bozabandoki, après ce qui te zone, caméra. Mais oui, mais c'est ces caméras-là que nous faisons voyager les messages. C'est ces caméras-là qui font circuler le message. Si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso a pu garder Mokoko même jusqu'à 3 ans, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que nous sommes là. Sinon, Mokoko, Denis Sassou Nguesso aurait tué Mokoko comme il a fait avec les autres. Il aurait tué Mokoko comme il a assassiné Marianne Gwabi. Il aurait fait comme il a fait avec le cardinal, les Massamba Déba. Denis Sassou Nguesso a tué tout ce monde-là en un clin d'œil. Boni Bweko, bozo mon abiso bazoba. Bozo mon abiso bazoba. Denis Sassou Nguesso, on est en train de vouloir emmener Denis Sassou Nguesso à commettre des erreurs. On veut emmener Denis Sassou Nguesso au bout. Tout le monde, ça y est déjà zoba. Non, mon collègue, le Denis Sassou Nguesso a zoba. Clonaye nyo surtout, et zomona na zoba. Denis Sassou Nguesso est utilisé pour l'argent. Qui pense que Denis Sassou Nguesso peut être encore crédible devant la communauté internationale? Il n'est pas crédible. On est en train d'utiliser Denis Sassou Nguesso pour soustraire nos matières premières, pour piller le Congo comme il faut. Mais ce n'est pas parce qu'on fait confiance à Denis Sassou Nguesso, c'est parce que c'est un pion léger. Et bazo sala manifestation, oui non, les gens de ACD tirer Jean-Marie Michel Mokoko, vous rejetez cette idée, vous êtes normal. Non mais ça me dépasse.
Alors, en quoi vous allez dire que vous êtes les défenseurs de Jean-Marie Michel Moukoko et que vous êtes en train de plaider la cause de Jean-Marie Michel Moukoko? En quoi? En restant devant en faisant les interviews de presse? Au lieu d'alerter, au lieu de faire bouger les choses, d'alerter l'opinion, vous savez qu'aujourd'hui, les choses marchent avec les réseaux sociaux. Les messages passent avec les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes des bêtards, vous êtes des bêtes, vous êtes des idiots. Et je ne m'excuse pas de mes termes. Quand j'emploie mes termes, je ne m'excuse pas. Parce que c'est ce que je veux dire et je veux que vous entendiez ça. Parce qu'on mobilise, on veut au lieu que vous soyez les premières personnes en première ligne à mobiliser cette population, à mobiliser l'opinion internationale, à pousser ces dictateurs-là à l'erreur. Non, vous voulez faire du fanfaron, vous voulez faire de l'intellectualisme, vous voulez faire des gens qui sont je ne sais pas quoi. Vous pensez que là, au moment où nous sommes, dans la situation où nous sommes, nous avons encore besoin de cadrer nos mouvements, nous avons besoin de faire la force. Nous avons besoin de faire la force et de nous battre, de montrer que nous sommes là, de réveiller les consciences qui dorment. Nous n'avons pas besoin que vous venez nous faire des discours tout préparés. Nous voulons la vérité, nous voulons savoir où est passé Moukoko. Nous n'avons pas vu où Moukoko est passé, est rentré dans l'avion. Nous n'avons pas vu où Moukoko a été, depuis que Moukoko a été hospitalisé. Nous n'avons pas de nouvelles. Et vous venez nous faire un discours en disant que Moukoko a besoin, le général Moukoko a besoin de sa vie privée. Quoi? En ce moment, Monsieur Moukoko, donc le général Moukoko, ce qui le concerne, c'est sa vie privée. Quand on est un homme public, on n'a plus de vie privée. Laissez-moi vous dire, vous, le ACB tiré Jean-Michel Moukoko, là, les défenseurs de Jean-Marie Michel Moukoko, quand on est un homme public, surtout actuellement avec la situation de Jean-Marie Michel Moukoko, il n'y a plus besoin de vie privée. Nous voulons savoir, nous avons cette soif-là de connaître où est notre président, où est notre élu du peuple de 92%. Quoi, vous voulez nous torturer de connaître la vérité, de chercher la vérité? Vous voulez nous torturer? Nous voulons savoir où se trouve Jean-Marie Michel Moukoko. Alors, cette association de défense de Jean-Marie Michel Moukoko, même si vous ne participez pas à cette manifestation, la manifestation va se faire même avec une personne. Même avec une personne, cette manifestation va se réaliser et cette manifestation va se faire. Chers compatriotes, je demande à tous les Congolais, nous demandons à tous les Congolais, ce que nous faisons, saisissons cette occasion pour nous faire entendre. Saisissons cette occasion pour savoir où est notre président, le président élu du Congo, démocratiquement élu par le peuple congolais. On en a marre de s'asseoir et attendre des discours, des discours tout faits de ces politiciens ou de ces gens qui pensent qu'ils connaissent plus que l'autre. Nous sommes en combat, nous sommes dans une lutte. Nous devons saisir toutes les occasions qui se présentent. Nous devons emmener l'opinion internationale, l'opinion publique avec nous pour supporter comme ça s'est fait avec George Floyd ici aux États-Unis. Hmm?
on voit ce gouvernement-là, ce gouvernement-là qui a échoué, le gouvernement des paresseux, le gouvernement qui n'a même pas pu faire. Mais, donc, ils n'ont rien fait au Congo et nous devons toujours leur laisser l'espace. Et ce gouvernement-là qui nous envoie les tchakous de, le tchakou de l'albinos, là, le sexe man, là, celui qui a son sexe dehors, qui normalement qui devait démissionner de lui-même, qui vient nous parler toujours, qui vient nous raconter des mensonges. Comme dans leur parti là, dans leur gouvernement là, le mensonge c'est comme un plat qui se mange tous les jours, c'est un plat facile à manger, c'est comme de l'eau à boire. Et vous qui êtes pour la défense de Jean-Marie Michel Mokoko, vous auriez à prendre le bac pour ça la manifestation en été. Ma boma ya ba mama na bino bon longwa bon dégager bino ne surtout voilà ka ko kosa ka bato que vous allez pour Jean-Marie Michel Mokoko alors que dans la journée vous êtes là avec pour dire que vous êtes de Jean-Marie Michel Mokoko, la nuit vous êtes en train de trinquer les champagnes de les vins avec les ennemis de Jean-Marie Michel Mokoko. Ba hypocrite mokobwe. Bah diable, bah sorcier, vous êtes tous des sorciers. Vous avez vendu votre âme avec votre âme avec votre propre argent. Vous avez vendu votre âme pour un idiot comme Denis Sassou Nguesso. Vous avez laissé votre derrière comme les entonnoirs à Denis Sassou Nguesso qu'il en fasse comme il veut. Alors vous allez empêcher les gens de ne pas faire des marches. Bah zo, bah bourik mokobwe. Bamalandangulu. Ba proboya ka kolo ba ka bozali ba défenseur a buzoba. Chers compatriotes, donc nous sommes là toujours dans la lutte et nous voulons savoir où est passé Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko a été évacué en Turquie. Nous voulons savoir pourquoi le tchakou, Mungala, Thierry Mungala, leur Thierry Mungala, le sexe man là, dont le sexe aujourd'hui, si on met ça encore. Donc, je ne sais même pas comment ce monsieur-là a ce courage. Ozana courage à moi, na boudin. Tu as le courage des enfants de Dieu. Oh, bah, t'es qu'à kaba boudin na mboka. Parce que bango abango ba ponakate ata esikani bazio ozali na courage abana boudin. Parce que toi normalement tu devais même plus être un homme public, même Sassou lui-même s'il était intelligent, si c'était un homme réfléchi, on pouvait plus te laisser à être le porte-parole du PCTU. On devait plus te laisser parce que ton intimité, ton sexe est dans les réseaux sociaux. Ton sexe est dans les réseaux sociaux. Sex tape. Alors, quand on peut prendre encore une personne comme toi pour venir nous raconter des bobards, pour venir nous raconter des bobards, bah, troubadour, mon robot. Okanisu kozana valeur. Tu penses qu'on peut encore écouter, on peut t'écouter toi, hein, qui a le sexe public comme la Chine populaire. Ton sexe, c'est la Chine populaire, vu par 1 milliard de personnes. Toi, Thierry Mungala, tala ba zo ba misusu oyo ba teka ba derrière na bango a Denis Sassou Nguesso qu'il en fasse quoi ce qu'il veut. Donc bino bokanisi que boya ko arrêter biso, nous sommes en train de pousser Denis Sassou Nguesso vers tozo pousser ozo beta ka ba erreur na ba erreur
où tu es en train de faire des bêtises sur bêtises, Denis Sassou Nguesso. Parce que ce que tu as fait là, ce que tu, ton montage que tu as fait de vouloir envoyer Mokoko en Turquie, c'est ça, ta, wana ezali kokunda manayo. Toi, Denis Sassou Nguesso, tu sais quoi ce que le Congolais fera de toi? Et toi et ta famille, nous allons vous éradiquer. On n'a pas besoin de vous voir, vous, au Congo encore. Parce que ce que vous, le mal que vous avez fait au Congo, le mal que vous avez fait au Congo, que vous avez fait aux Congolais, Tokolinga ko yoka lisusu ma kombo na binote. Nous sommes, on veut savoir pourquoi ta femme Tibota a été en France. Tu l'as évacuée en France avec un avion médicalisé. Et notre président que nous, le peuple congolais, on a élu, tu l'envoies, tu l'évacues, hein, évacuée en Turquie avec un avion commercial, un avion ordinaire. Bozo sakana. Tozana besoin yakoye bani nezo leka pona président na biso. Tozana besoin yakoye bani nezo leka na pona ba congolais ba président na biso. Donc peuple congolais, nazo ko inviter peuple congolais nyoso. Nous invitons tout le peuple congolais qui pense que la lutte que nous sommes en train de faire, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est pour l'intérêt, c'est pour l'avenir de nos enfants. Parce que même si nous pensons que nous n'allons plus obtenir quoi que ce soit, mais laissons une histoire positive pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Allez manifester devant l'ambassade de Turquie. Allez manifester le vendredi 7 août 2020. Allez manifester devant l'ambassade. Faites-vous entendre. Faites comme on a fait. Vous avez tous été là en disant « Je suis George Floyd. Je suis George Floyd. » Maintenant que ça nous intéresse, c'est notre intérêt. Vous allez rester à la maison. Vous allez rester à la maison. Peuple congolais, Baye Nangaye, Binonios Obozana Poto, Botelema, Bokeno manifesté, faites quelque chose, montrez votre ras-le-bol. Ça va, c'est pas une marche de tous les jours, mais c'est une. Prenez quelques minutes, prenez quelques heures pour manifester, montrer votre désobéissance. Votre président élu va vers une destination inconnue qu'on ne sait pas s'il est là, s'il n'est pas là. Depuis juillet, nous n'avons pas les messages. Nous n'avons pas de nouvelles de notre président élu, de notre Nelson Mandela. Et nous sommes là, nous sommes calmes. Mais peuple congolais, mais bouzo bayango yandengenini. Bouzo bayango yandengenini. Na bino moto boza na poto bondimara ke. Bon, bo koma na bino ba français. Moi, le passeport français, na ko pasula yango. Parce que ba peuple wana est trahir biso. Peuple a hypocrite. Peuple a hypocrite. Peuple congolais, mobilisez-vous. Mobilisons-nous pour la cause. Allons manifester massivement devant l'ambassade de Turquie. Aller manifester massivement. Montrez votre ras-le-bol. Parce que moi, maman Olga, je suis surprise de savoir que les défenseurs, cette association ACB-Jean-Marie Michel Mokoko,
qui refuse, qui décline cette idée d'aller manifester pour faire entendre, pour connaître la vérité de Jean-Marie Michel Mokoko. Bozasomo. Qu'est-ce que cette association-là cache? Vous cachez quoi? Nous voulons savoir où se trouve Jean-Marie Michel Mokoko. Peuple congolais, mobilisez-vous. Mobilisons-nous pour nous faire entendre, pour en finir avec Denis Sassou Nguesso. Ce n'est que dans ces occasions comme ça, dans les manifestations, que nous allons déranger ce pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ce pouvoir qui est assis sur le sang des Congolais, ce pouvoir qui est en train de bafouer la dignité du peuple congolais. Ce pouvoir qui pense que le Congo leur appartient. Manifestez-vous, le peuple congolais. Manifestez-vous. C'est de votre devoir. Arrêtez d'être ce peuple-là. Oui, le peuple mouton. Le peuple mouton à qui on peut faire croire, à qui on peut faire entendre n'importe quoi. Si c'est les politiciens n'ont rien fait aujourd'hui, mais nous, cette génération, soyons braves, montrons notre courage, montrons notre détermination, montrons que nous ne sommes plus ce peuple-là à qui on pouvait manipuler comme un berger, comment on appelle ça, un berger avec ses... Comment on appelle ça, le berger avec le... celui qui contrôle ses moutons. Le berger, voilà, le berger avec ses moutons. Le berger avec ses moutons. Arrêtons d'être les moutons. Prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main. Arrêtons d'être ce... Car pendant 40 ans, Denis Sassou Nguesso, pendant 40 ans, Denis Sassou Nguesso a dirigé ce pays comme des moutons. Regardez ces politiciens, même l'opposition, les Kolela qui étaient des opposants. Regardez comment ils ont vendu le combat de leur père. Regardez comment le fils Lissouba, tout ça là, la manipulation de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso vous achète avec ses propres l'argent du contribuable. Denis Sassou Nguesso vous corrompt avec l'argent du contribuable. Peuple congolais, aujourd'hui, si le Congo se libère, personne ne va se faire manipuler. Tout le Congolais trouvera du travail, comme ce que nous faisons ici dans les pays étrangers. Et nous allons arrêter de glorifier des connards, de glorifier des vauriens, de glorifier des abrutis qui ont emmené notre pays vers l'abîme, qui ont brisé notre pays, qui ont vendu notre pays aux étrangers. Notre lutte, c'est ça, que le Congolais retrouve sa place dans son pays. Le Congolais, vous avez déjà vu le Congolais qui va faire la loi en Chine? Vous avez vu le Congolais qui va faire la loi au Liban? Vous avez vu le Congolais qui va faire la loi au Pakistan ou en Inde? Alors, pourquoi nous, le Congolais, nous laissons ces gens-là venir faire la loi chez nous? Parce que Denis Sassou Nguesso leur a donné cette opportunité. Parce que Denis Sassou Nguesso n'aime pas les Congolais. Parce que Denis Sassou Nguesso voit que son intérêt. Parce que ces politiciens-là voient que leur ventre, ils ont abandonné ce peuple. Ils ont affamé ce peuple. Ils ont humilié ce peuple.
Ils ont humilié les papas qui ont travaillé. Ils ont violé les mamans. Non-respect des mamans. Aujourd'hui, on voit les sexes de mamans exposés dans les réseaux sociaux par la police de Denis Sassou Nguesso, par les hommes de l'ordre en uniforme de Denis Sassou Nguesso. Alors, vous trouvez ça correct? Vous trouvez ça normal? Et vous voulez encore attendre? Qu'est-ce que vous allez attendre pour vous libérer? Qu'est-ce que vous allez attendre pour vous soulever? Qu'est-ce que vous allez attendre pour te faire dégager ce pouvoir-là? Chers compatriotes, pendant cette période, nous avons vu comment Denis Sassou Nguesso est en train de faire rentrer les engins de guerre. Alors, donc, Denis Sassou Nguesso veut nous faire comprendre que le COVID-19, la situation de pandémie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso va combattre ça avec les armes, avec les engins de guerre qu'il est en train de faire rentrer, avec le couvre-feu qu'il a imposé au peuple congolais, avec le confinement sans soutien, sans accompagnement qu'il a obligé au peuple congolais, alors que lui, sa famille, sont là en train de manger, sa famille en train de vivre, en train de faire la vie à la belle étoile. Et vous, le Congolais, vous êtes là, vous êtes en train de vous asseoir, attendre, attendre quoi? Attendre quoi? Peuple congolais, vous, que vous fassiez la révolution ou pas, Denis Sassou Nguesso dans sa tête va vous imposer une guerre pour que vous sachiez ce que Denis Sassou Nguesso est en train de préparer pour que vous sachiez ce que Denis Sassou Nguesso est en train de préparer pendant que Denis Sassou Nguesso vous pousse au confinement, pendant que Denis Sassou Nguesso vous impose le couvre-feu, Denis Sassou Nguesso est en train de faire rentrer les armes de guerre. Parce que Denis Sassou Nguesso, que vous soyez calme, avec Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas la paix. Avec Denis Sassou Nguesso, il y a la guerre. Avec Denis Sassou Nguesso nous écoutera que si nous faisons aussi le coup de force, si nous venons avec la violence, c'est là que nous allons arrêter Denis Sassou Nguesso. Mais si nous ne laissons pas notre peur, si nous ne mettons pas nos peurs dans les placards, et si nous sommes satisfaits seulement de la vie que nous menons à l'extérieur, mes chers compatriotes, vous allez être les moutons de Denis Sassou Nguesso et de sa famille, et ça sera de génération en génération. C'est moi, maman Olga, qui vous le dis aujourd'hui. Donc, prenons conscience de laisser une histoire, une bonne histoire à nos enfants. Sinon, nos enfants viendront trouver la même chose. Ils seront des esclaves des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de Denis Sassou Nguesso. Donc, peuple congolais, je vais vous montrer ce que Denis Sassou Nguesso a préparé ou est en train de préparer encore pour. Ce que Denis Sassou Nguesso, pendant que Denis Sassou Nguesso vous impose le confinement, le couvre-feu, voilà ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire rentrer de l'argent au Congo. Pendant que Denis Sassou Nguesso est en train d'aller quémander des fonds au FMI, aller
commander des fonds à la communauté internationale. Denis Sassou Nguesso, les fonds déversés pour que le comment on appelle que la communauté internationale a déboursé pour le Covid. Denis Sassou Nguesso utilise ces fonds pour acheter les armes pour venir tuer le peuple congolais. Donc, est-ce que cette personne-là, nous devons encore attendre? Qu'est-ce que nous attendons? Nous devons encore attendre? Voilà, ça c'est dit par les personnes qui connaissent très bien, parce que nous, notre rôle, c'est d'aller fouiller l'information et venir... Notre rôle, c'est d'aller fouiller les informations. Notre rôle, c'est de dénoncer. Notre rôle, c'est alerter, de motiver, de sensibiliser cette population pour que nous soyons tous dans cette lutte et l'union fait la force. Si nous ne faisons pas cela, nous resterons des esclaves de cette famille Nguesso qui vient du Bénin, de cette famille, de ce fils de Poro Poro et de Mouébara qui n'a pas arrêté de faire couler le sang des Congolais, qui n'a pas arrêté de tuer les Congolais. Quand vous voyez quelqu'un qui tue un cardinal qu'on n'a pas retrouvé jusque-là, on n'a jamais retrouvé la tombe du cardinal. Si vous trouvez quelqu'un qui a tué tout son environnement, même celui qui l'a emmené en premier rang, les Marien Ngouabi, tous ces hommes politiques, il les a tous tués. Il a même tué sa propre fille pour garder son pouvoir. Alors vous autres là, si vous ne vous levez pas, il aura pitié de vous en quoi? Donc vous êtes des prochaines victimes de Denis Sassou Nguesso. Vous êtes les prochaines personnes que Denis Sassou Nguesso va mettre dans la tombe, comme il a été mettre dans la tombe 570 morts pendant la période de Covid. Alors, chers compatriotes, prenons conscience. Voilà ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire rentrer. Aux souffrances de son peuple qui est croupi dans la misère et à la situation des détenus, en particulier au général Mokoko. Privé des soins appropriés pour sa pathologie, préfère s'endetter de nouveau en catimini auprès de l'autre dictateur conquérant de Turquie. L'équipement des armes lourdes, des engins blindés et des hélicoptères de combat privent aux 4 millions de Congolais le nécessaire pour assurer le strict minimum de bien-être. Les Congolais s'enfoncent de plus en plus dans l'extrême pauvreté. Sassou a cru que l'opinion publique n'allait pas se rendre compte de ses manœuvres pour assurer par le CFCO le chemin de fer Congo-Océan. Le transport nuitamment entre 20h et 5h du matin des engins de guerre et des conteneurs contenant des munitions et des bombes. Les éléments planiques d'Oyo de sa garde prétorienne de Tchambitso lourdement armés ont sécurisé ce convoi. Sassou a importé du matériel militaire de la Turquie qui comprend un large éventail d'armes, de chars, d'hélicoptères, de canons et de véhicules blindés. Sassou a commandé des hélicoptères d'attaque et 3 hélicoptères de transport Sikorsky S-80 et S-70. Nous ne connaissons pas combien a été livré. Est-ce des Altaïtiens? Léopard 2 à 4 d'occasion allemand. Est-ce des chars M60 en M60 des Sabres 3 sous maîtrise d'œuvre de Israël Military Industries? Est-ce de véhicules de transport de troupes à roues RN-94 d'origine roumaine? Entre-temps, le faux neveu de Sassou Nguesso chargé de la sécurité vient justement de se faire livrer un logiciel d'espionnage à près de 7 milliards de francs CFA. Congolais fait échec et ce système par un seul moyen ne restait pas plus de 30 secondes en communication vidéo. Nous vous dirons si ce logiciel permet encore de prendre le contrôle d'un téléphone à distance à un appel audio. Soyez prudents, la France, l'Europe et les FMI tous défiés par un dictateur qui ne fait que tout à sa tête pour se maintenir, oubliant que seul Dieu est aux commandes de tout.
Je vais vous le repasser encore. Ça, c'est les engins que Denis Sassou Nguesso, pendant que Denis Sassou Nguesso vous impose le confinement, ben, voilà les choses qui sont en train de venir de Pointe-Noire, du port de Pointe-Noire pour Brazzaville. Alors, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso cache derrière ce plan? Pourquoi ce matériel de guerre? Pourquoi ces engins lourds au Congo-Brazzaville? Le Congo est en guerre avec qui? Le Congo est en guerre avec quel pays? Alors, peuple congolais, c'est à nous de prendre conscience. C'est à nous de prendre conscience. Denis Sassou Nguesso est en train de préparer une autre guerre. Denis Sassou Nguesso est en train de préparer le massacre encore, comme d'habitude. Alors, peuple congolais, prenons conscience. C'est à nous d'être prêts pour ne pas laisser Denis Sassou Nguesso nous tuer comme des moutons, pour ne pas laisser Denis Sassou Nguesso nous tuer comme des chiens. Chers compatriotes, battons-nous. Un peuple qui a peur ne peut pas se délivrer. Un peuple qui a peur restera esclave à vie. Alors, Maman Olga vous invite que chacun fasse sa part. Il est temps que le peuple congolais se réveille. Il est temps que le peuple congolais se batte. Il est temps que le peuple congolais défie Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce que nous pouvons laisser un petit groupe comme ça de nous massacrer pendant 40 ans, de nous humilier depuis 40 ans, chers compatriotes? C'est de notre droit de se battre. Parce que nous faisions une révolution, que nous nous défendons ou pas, Denis Sassou Nguesso va nous massacrer. Alors que chacun prenne conscience de se défendre. Nous sommes plus de 4 millions et nous ne pouvons pas laisser un petit groupe des malfaiteurs, nous allons les appeler les malfaiteurs, un petit groupe de gangsters, utiliser l'argent du peuple congolais, utiliser l'argent du contribuable pour nous faire du mal, pour faire couler le sang des Congolais. Alors, peuple congolais, le destin du Congo, le destin de tout un chacun est la responsabilité de chaque individu, est la responsabilité du citoyen. Alors, peuple congolais, ne pensez pas que nous sommes là devant nos vidéos parce que nous n'avons rien à faire. Là, en ce net moment que je vous parle, il est minuit 40 aux États-Unis. Et Maman Olga est devant vous pour vous faire passer le message, pour dénoncer, pour partager les nouvelles avec vous. Mais cela n'est pas pour que vous regardez, vous dites « Ah ouais, Maman Olga a fait ça. Oh Maman Olga... » Ezali pona ko réveiller ma conscience na bino, ezali pona ko lobala biso ke tozana etumba, ezali pona ko lobala biso ke ennemi na biso ezali moko, ezali ennemi les personnes au pouvoir
qui ne veulent pas de leur population, qui travaillent que pour eux-mêmes, pour leur ventre, qui ne sont pas des, d'ailleurs, ils ne sont pas des politiciens, parce qu'un politicien vient pour travailler pour son peuple. Un politicien vient pour servir le peuple. Mais ceux-là, ce sont des ventrilogues. Vous devez comprendre ça. Alors, peuple congolais, yo, pas d'élection, les personnes qui vous emmènent vers les élections. Vous allez aller aux élections avec les engins que je vous ai montrés. Vous allez aller aux élections avec tous ces engins-là qui sont en train de rentrer, que Denis Sassou Nguesso, les engins de guerre que Denis Sassou Nguesso est en train de faire rentrer au Congo. Alors, peuple congolais, prenons conscience. Maman Olga veut savoir où est son président, où est le président élu du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko. Maman Olga invite tous les Congolais de France, partout où vous êtes, le 7 août 2020, il y a une manifestation devant l'ambassade de Turquie. Soyez nombreux à cette manifestation. Ça, c'est le moment où nous devons montrer notre ras-le-bol. Vous vous êtes levé pour George Floyd, l'Américain. Maintenant, levez-vous pour votre président élu. Levez-vous pour ce président qui a osé, qui a défié Denis Sassou Nguesso. Et comme Denis Sassou Nguesso n'aime pas les gens qui le défient, comme Denis Sassou Nguesso, le fils de Poro Poro et de Moué Bara, n'aime pas que les gens lui disent la vérité. Il déteste la vérité parce qu'il a vécu que dans le mensonge. Oui, il a vécu que dans le mensonge, quelqu'un qui ne connaît pas son père. Quelles sont ces valeurs que Denis Sassou Nguesso peut apporter au peuple congolais? Il n'en a pas, Denis Sassou Nguesso. C'est un violeur, c'est un génocidaire. C'est quelqu'un, déjà c'est une personne qui n'a pas de valeur. Une personne qui arrive à coucher avec ses propres enfants. Une personne qui arrive à faire le sexe avec ses propres enfants. C'est cette personne-là que vous pensez qui va respecter le peuple congolais? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans leur milieu? Les mamans, les fils, les enfants, tout le monde fait du pot-au-pot ensemble. Alors, peuple congolais, maman Olga, cette vidéo, c'était pour demander au peuple congolais, tous devant l'ambassade de Turquie, le vendredi 7 août, le peuple congolais, faites-vous entendre, criez fort, manifestez-vous, car nous avons besoin de savoir où est passé notre président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, qui a osé dire la vérité à Denis Sassou Nguesso, que les autres politiciens n'arrivent pas à dire, que les autres de l'opposition n'arrivent pas à dire. D'ailleurs, nous n'avons pas l'opposition au Congo. Tous ce sont des Amen de Denis Sassou Nguesso. Alors, peuple congolais, ça c'était le message de maman Olga. Nous cherchons la vérité. Allez manifester massivement devant l'ambassade de la Turquie. L'union fait la force. Le peuple gagne toujours. Notre force, ensemble, laissons nos divergences de côté. Soyons tous ensemble pour faire cette lutte et pour que nous puissions combattre le régime de Denis Sassou Nguesso, le régime des PCTU et le régime des incompétents, des vauriens, des médiocres, des crapauds, de tout ce que des espèces qui sont indésirables dans le monde. Alors, chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours.